J'aimerais vous dire que je suis en excellente condition. Quand on veut me donner excellente, je suis vraiment bien préparé. Ça fait 2 semaines que j'attends juste que la cloche sonne. Moi, je peux vous garantir qu'avec les Stevenson, les deux Metz, les Jean-Pascal, le 25 septembre, ça va être une soirée éblouissante. Ça va être une soirée vraiment magnifique. Il va avoir de la bonne boxe, il va avoir des boxeurs de bon calibre. Et moi, si je serais vous, je vais acheter tout de suite les billets parce que ça va être une soirée à ne pas manquer. J'aimerais dire aussi quelques mots concernant mon adversaire Silvio Branco. Je sais que Silvio Branco arrive samedi après-midi. Lui, ça vient de ravir ma ceinture que j'ai sûrement gagnée contre André Diabolou. Mais comme que je vous ai dit plus tôt, je me suis bien préparé. Je sais qu'il va finir dur. C'est un double ancien champion du monde. Donc c'est un boxeur que je dois prendre vraiment au sérieux. Lui, c'est comme un peu sa dernière chance, il a 43 ans. Mais j'ai regardé un peu ses tapes et je peux vous garantir que Silvio Branco, c'est un peu un boxeur, c'est un peu un optimiste blanc. Il est devenu meilleur avec l'âge, puis la preuve, c'est que ses meilleurs amis étaient justement en 2006. Ça ne veut pas si long comme ça. Donc, je sais que ça va être un dur combat, mais ça va être un combat excitant. Puis, comme que j'ai dit aux gens à mon combat, quand on est avec nous, soyez présents pour pas faire partie des gens qui disent j'aurais dû acheter mon billet parce que la soirée au Sandbell, ça va être magnifique. Puis moi, je suis contre la guerre, mais mon entraîneur m'a proposé, m'a programmé à faire une destruction massive le 25 septembre. Alors, je suis contre la guerre, mais je suis désolé, j'ai été programmé et le lancement va être le 25 septembre à partir de probablement 9h30, 10h. Alors, soyez là, ne manquez pas ça. Et aussi, j'ai entendu dire que Adrien Diacrimou rêve à moi, rêve de ma famille. Moi, j'ai aucun problème, mais par contre, il faut que je me concentre sur Silvio Branco, faire étape par étape. Donc, je vais envoyer Silvio Branco à la retraite le 25 septembre. Et le beau rêve d'Adrien Diacrimou va se terminer en cauchemar. Et lui aussi, je vais l'envoyer à la retraite le 11 décembre 2009. Merci beaucoup et soyez présents.